Bien, ben, on vient du Pasquier. Cabane Vieille se trouve là. On y était l'autre jour. Notre objectif, ce sont les sommets qui sont en face. On va prendre le chemin qui se trouve là. Allez, Robert. Et ben voilà, on l'a récupéré. Alors, on est sur notre trajet pour le plan des mouches. On voit la crête du Courador là. Alors, pour nous, on va suivre le sentier qui passe là, puis là-bas. Au fond du vallon, on va remonter sur le plateau, prendre la croupe, et ensuite on va suivre la barre pour être sur le plan des mouches. C'est ce qui est prévu, on verra bien. Après, on va suivre cette crête là et puis descendre derrière ce sommet jusqu'au Fugeray. Enfin, c'est ce qui est prévu aussi, on verra bien aussi. Allez, on est sorti sur le plateau de Pramouret. Il y a la cabane là. On voit bien le plan des mouches, c'est au-dessus de la barre. Et bien pour passer la barre, il faut monter là. On arrive enfin en vue de la petite barre. C'est le point de passage qu'on avait repéré mercredi à la jumelle de Cabane Vieille qui se trouve sur l'autre versant en face. La barre, on va tâcher de passer à niveau pour éviter de redescendre. L'objectif, c'est derrière la crête, c'est le plus bas, une cinquantaine de mètres plus bas. Mais là, c'est mortel la montée. En poussant, ça va pas, ça bute de partout. Trois quarts du temps, on a porté. Allez, centaine de mètres et on passe. Par contre, le point de passage sera sur la gauche. Ça y est, on est au pied de la barre. Bon, on avait choisi et repéré ce coin où il n'y a même pas 2 mètres et puis ça passe bien. Oh, le vautour là. Bon bref, la barre c'est celle-là. Après de partout elle fait plusieurs mètres. C'était chiant. Ouais. Aigné. À moi. Alors j'ai franchi la barre à l'endroit où elle était le plus basse, qu'on avait bien repéré avant. Donc ça pose pas de problème, ça passe. C'est comme ça que je monte moi. Bah, c'est une des montées en poussant les plus dures qu'on ait faites. Hein. Ouais, les 3 quarts du temps, ça allait porter. Ouh, c'est vraiment fatigant, pénible. Notre plateau, il est là, juste en face. Enfin. Il devait être mal de monter. Hein. Là, il est belle, là-bas. Le plan des mouches, ça y est, on y est. Et là, on prend la direction de la pointe qui est là-bas. Ce qu'on cherche est là-bas. Au passage, il y a 2 moutons là, paumés. On avait peur, on croyait que c'était des patous de loin. Ce sont 2 moutons. T'es arrivé au bout du plan des mouches. On aperçoit la cabane du Grand Coyer au fond. Et en fait, si on est venu là, c'est pour ça. Hey, 2 km de plateau. Alors ça paye pas de mine, mais c'est un tumulus. On pense que la barre elle continue derrière. Oui, c'est une pointe là. Alors en fait, le tumulus, on voit le cercle, il est beaucoup plus grand là. Et voilà, jusque là.